amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau vendredi, jour de Vénus, hein, l'amour toujours, vous connaissez la chanson. Alors merci pour les pouces bleus, les likes, les partages et les abonnements. On va faire une vidéo aujourd'hui concernant les débats interdits. En effet les amis, donc ils ont un projet de loi courant décembre pour interdire à la populace bien évidemment de mettre en doute tout ce qui est du domaine de décision des potions, voyez-vous de ce que je veux dire, même sur les réseaux sociaux où les gens encourent à la fois soit des amendes ou alors d'aller faire des séjours en cage, on va le dire comme ça le plus aisément. Alors concernant beaucoup de choses aussi, ça bouge à tout azimut par rapport à Thomas et les amis, je suis très très fière de vous, il faut que je vous le dise, vraiment très très fière à la fois sur les réseaux sociaux pour avoir pris l'affaire dans les mains, hein. Apparemment ça bouge beaucoup, le bricaton il sait plus du tout dans quel sens il va et il a peur que ça lui explose en pleine figure. Apparemment il devait y avoir une réunion, enfin une assemblée de personnes pour honorer la mémoire de Thomas sur Lyon et ils ont fait interdire le rassemblement. Bon, ça prouve bien qu'ils ont la trouille, mais comme encore une fois, il y a deux façons de voir les choses, il y en a qui ont droit et d'autres qui n'ont pas droit, et ben voyez-vous, c'est à se poser des questions, maintenant il y en a ras-le-bol, vous êtes comme moi, je le sais. Donc, on va aller voir si vous voulez bien les amis, on va aller voir concernant ces débats interdits, donc ce projet de loi, je crois, c'est courant décembre, j'ai pas la date, je sais pas si c'est pas le 19. Mais c'est toujours le moment, vous savez, des fêtes ou alors en plein été qui nous balancent des trucs comme ça. Donc, on va aller voir par rapport à ces débats interdits. Moi, je vous ai dit, de toute façon, moi, il n'y a rien qui m'affole. Je sais qu'ils continuent à pousser le bouchon. De toute façon, avec la peste aux étoiles. Vous avez vu ce qui s'est passé en Hollande. Hein, apparemment, ça change la donne. Ben, écoutez... il y a des chances que ça arrive chez nous aussi, hein, voilà, mais peut-être pas comme on l'imagine, puisque là, j'ai entendu dans ma région, ben vous savez ce qui est en train de se passer, donc j'étais en pétard l'autre jour, ça bouge, hein, ça bouge sérieusement, c'est-à-dire que les gens maintenant ont compris, hein, cette fois qu'on ne peut plus avoir confiance, c'est plus possible, et en plus on n'a pas le droit de réagir, les autres ont le droit, d'accord ? Voilà, il y a des gens qui ont le droit. Et nous, on n'a pas le droit, on est des sous-citoyens. D'accord? Voilà. Allons-y gaiement, excusez-moi, je m'exprime. Je vous le dis, hein, pour la rigolade, ouais, on va la rigolade, j'ai reçu cette nuit, 5 menaces quand je me suis réveillée par mail de disparaître, hein, ça vous va? Donc, bien sûr, dans ces cas-là, je les ai transmis tout de suite à Paros. D'accord? Comme je fais chaque fois. Maintenant, je ne prends pas le chou, mais je pense que vous comprenez, les amis. Je ne me prends pas la tête, c'est bon. Allons-y gaiement. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser faire. Si ça vous arrive, les amis, vous ne laissez pas faire. D'accord? Jamais. Et si jamais vous êtes menacé, des fois, ça peut arriver que je ne vois pas un commentaire qui passe. Vous faites une capture d'écran, vous me l'envoyez et moi, je m'en occupe. D'accord? On va vous aider. Je suis là pour vous aider aussi, les amis. Hein. Je ne suis pas là pour vous laisser dans votre petit coin. Alors, il y avait les cartes majeures, les cartes mineures. J'ai fait le mix du tout et j'ai pris le Paul Husson concernant cette loi. De toute façon, je vous ai dit, il y en a pour 4 ans qui nous balancent des bêtises et où ça va aller à la maillotche. Ben, vous connaissez mon jargon, hein, tout simplement. Voilà. Et il y aura une émission ce soir à 18h. Je vous le dis concernant... Alors, il faut que je vous aide à faire de la magie, mais avant, on doit faire du nettoyage et je vous expliquerai comment enlever vos pensées toxiques, d'accord, pour éviter que ça vous prenne la tête tout le temps. J'ai des méthodes radicales et ça va vous aider, d'accord? Voilà. Bon, autant vous faire profiter de mes compétences, les enfants. Voilà, 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 voilà. Paf. En tout cas, la pizza, ça vous plaît. Mais elle était bonne. Oh, mes pauvres amis. Elle était fondante, vous savez. Ça, oh là 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 là. Là, il faut... Mon mari m'a dit, maintenant, tu l'as fait tout le temps comme ça, hein. Voilà. Alors, j'ai ma coiffeuse. Elle s'appelle Eliane. Elle se prénomme Eliane. Et elle m'a dit, ah ben... La prochaine fois, tu nous le fais, parce qu'ils viennent de temps en temps boire l'apéro avec nous. Donc, c'est bien. C'est bien d'avoir des bons voisins. Moi, je suis toujours très contente de mon voisinage. Voilà. Oh, il faut s'entraider dans la vie. Hein? Voilà. En tout cas, moi, je suis là pour vous. Ça, c'est une évidence. Et je ne vous laisse pas tomber. Ça, c'est une évidence aussi. Alors, dites-moi. Hop. Voilà. Allons également. Qu'est-ce qui va se passer avec cette loi concernant les débats interdits? Donc, il y a des choses qui ne passent pas pour l'instant. Je peux vous annoncer que le gouvernement, ils sont en train de se frappader, se foutre sur la poire, d'accord? Apparemment, ça circule pas, ils veulent essayer de passer par la force, hein. De toute façon, même s'ils passent, je vais vous dire ça, c'est toujours avec le 49.3, hein, tout simplement. Alors, c'est une loi, normalement, qui est sur les gourous, voyez-vous, sur les choses comme ça, mais comme d'habitude, mais là, c'est un... Les gens de la Renée qui n'a plus de sens sont très très mal par rapport à tout ce qui se passe et ils se tapent dessus, hein, tout simplement, là ça se voit, et Bricaton à la tête à l'envers parce qu'il sait plus ce qu'il faut faire, pas faire, ben il passe pour un guignol et puis sa chose, je vous explique même pas, son mannequin là qui mesure 3 pommes avec sa perruque de E.T. là, ouais on dirait E.T. un peu, vous savez dans le film E.T. à un moment donné E.T. a une perruque sur la tête, ben c'est un petit peu ça. Donc il est complètement paumé là-dedans, il y a les lobbies qui sont toujours derrière pour imposer leur loi du monde des labos, hein, on le sait, et c'est eux qui veulent faire voter la loi pour qu'on n'ait pas le droit de les contredire. Et on appelle ça quoi? Une dicta, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un projet financier, un changement radical par rapport à la populace. Attention, attention, au niveau des propriétés, les amis. D'accord, ils veulent tout, ben Bricaton va signer des tas de choses en urgence parce qu'il sent que, j'ai presque envie de vous dire que ces temps sont comptés, je vous dirai plus, il sait que ça va partir à la Maillotche, ils le savent tous, à part le gros dubit du Sénat qui n'est pas à l'heure, là le Gérard, vous savez celui qui est bien l'archer du roi, voilà, il y a par lui et les autres qui s'imaginent qu'ils vivent dans une bulle de lutèce là-bas. Ben, croyez-moi que ça va aller à la Maillotche et qu'on n'en peut plus. Mais là, vu ce qui s'est passé à Crapole, pour moi, c'est le déclic. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est le déclic, j'en suis sûre. Et là, il va annoncer à nouveau d'autres lobbies qui seront derrière pour tenter de nous récupérer nos habitations, d'accord? Donc, bah écoutez là, je pense qu'on est largement en 1700. Vous savez, celui qui est bien 89, voilà. On est bien comme à l'époque. Là, ça va faire bon. Ben là, il y a un rapport de force par le Bricaton, donc ils vont faire passer la loi. Je vous l'annonce, hein. Elle passera la loi. D'accord, qui est dirigé par la peste aux étoiles, du reste, mais regardez, à côté de Bricaton qui part avec ses armes, ses fines lames, on va le dire comme ça, vous voyez bien, j'ai une chute annoncée, d'accord? Voilà, j'ai une chute annoncée de tout leur système de frappadin, ben ils auront intérêt à mettre des patins aux roulettes au palais, hein, d'accord? Parce qu'ils vont tourner en boucle, c'est ce que j'avais vu il y a 2 ans en arrière, je vous avais vu qu'un jour ça se produirait, où ils passeraient, ils seraient obligés de prendre les patins à roulettes pour, ils se tiendront par les sgegs, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà, ils se prend la courte échelle, briquette, voilà, elle se servira de ce qu'elle a au milieu des jambes pour faire une liane, la Tarzane, voyez-vous ce que je vais dire, voilà. Donc là, pour moi, ils vont le faire passer, hein, leur texte, mais je peux vous annoncer que... Viens en province, mon chéri, on va te faire apprendre ce que c'est, on va te faire boire l'apéro déjà, et puis on te le mettra comme on l'aime, d'accord, bien profondillon, voilà, d'accord, vous voyez ce que je vais dans le filillon. Bande de machins, ils sont... Bon, là, le but, c'est bien de déstabiliser tout le pays. Là, mais là, pour moi, il va y avoir... de toute façon, mais même entre les communautés, ils sont allés trop loin. Ils sont allés beaucoup trop loin maintenant. Et il va y avoir d'autres cas. Hein. Donc, c'est pas le seul, Thomas, je vous le dis quand même. À venir, puisque je vois une soirée à nouveau, vous voyez, qui est ici, qui sont en train de faire la fête, qui tourne au désastre. D'accord. Et là, ça me dit encore la chute de quelqu'un qui est très très bien, la chute, le départ de quelqu'un de très très bien, et là, d'un projet qui part en vrille, et donc me dit clairement, oui, il va y avoir d'autres endroits qui vont être confrontés à ce genre de choses, mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais là, ça part en vrille. Ah non, j'ai cru que c'était une autre. Pas de communication par rapport à ces love.bi concernant donc les débats interdits. Changement radical. Ah, je tiens à vous dire, j'ai une bataille qui va s'engager encore plus violente entre les Luns, d'accord, et la toupie, vous savez, la Thierry, la Bretonne, voilà, la Bretonne, le soufflet, le vol au vent, le boucher à la reine, appelez-le comme vous voulez, le frappadingue de la reine, de l'Ursulette là-bas. Donc il va y avoir des rapports de force immenses, hein. Ça je vous le dis quand même. Et puisque ça m'est annoncé changement radical là, oui, d'accord, il n'y aura pas de communication par rapport, donc il y a bien un projet mais sans communication pour nous le mettre bien comme il faut, et là je vous le dis tout de suite, il y a changement radical par rapport à la populace, donc il y a une structure au niveau de la populace qu'on a plus que ras-le-bol, donc au niveau des maires.dia, effectivement ils ne disent pas tout, ils empêchent la communication. Je rappelle aussi qu'en Espagne, écoutez, eux, ils ont ce qu'il faut où il faut, écoutez, ça finira dans les rues à la baston, hein, d'accord? Voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous, la peste aux étoiles, qu'est-ce qu'elle a ici, la peste aux étoiles? Bon, il y a une histoire de lobe.bi au niveau de la peste aux étoiles, si vous voulez, qui veulent nous imposer les choses, mais apparemment, ça ne se passe pas dans le sens qu'ils le désirent, puisqu'il me sera inversé celui-ci. Et là, qu'est-ce que nous avons? Et quelque chose, une surprise de quoi? Oh là! Oh là! Moussaillon! Rien ne va plus! Oh là! Ça va très très mal pour Bricaton. Je tiens à vous dire, les amis, parce que et là, je vais vous encourager peut-être d'aller sur YouYou ou vous voulez dans vos recherches. Tout le monde parle à l'étranger de Bricaton, hein. Il faut être clair, tout le monde est au courant de cette histoire et il n'y a plus aucun doute. Il n'y a qu'en France où on tente de cacher les choses, mais là c'est une réalité et on voit que le bonhomme a la tête inversée, donc le Bricaton est au plus mal, ça veut dire qu'il y a des révélations à venir qui vont pas nous déplaire. Alors que la loi soit votée, j'en suis quasiment sûre, mais toujours avec un 49.3, voilà. On a l'habitude de ce genre de choses, mais je vous dirais, de toute façon, 2024, vous savez, comment elle avait dit la reine à l'époque, année horribilis, hein, et ben ça, pour Bricaton, ça sera année horribilis, d'accord? Voilà. Alors, pour la briquette, non, pour la borgnette, elle se pose la question comment elle va faire pour mettre en place certaines... Oh là là! Bon, alors je peux vous annoncer. Je pense que ça va vous faire plaisir. Ici, nous avons l'au-delà qui dit clairement, on ne les suit pas, on va les envoyer en enfer et compagnie. Vous savez, la cohorte du gouvernement, bien évidemment. Donc, on va les en renvoyer en enfer, parce qu'elle est en enfer, pardon. Pas en affaire, mais en enfer de toute façon. Elle essaye de se poser la question comment elle va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'elle veut mettre en pratique. Et là... je peux vous l'annoncer, il y aura, ils vont prendre d'autres décisions vis-à-vis des gosses. Oula, ah non, non, oulala, oulala, attendez, attendez. Parce que là, j'ai aussi quelque chose qui se passe dans des écoles. D'accord? Il y a des enfants là. Donc, il y a bien quelque chose qui va se mettre au niveau des écoles. Au niveau d'attente.ta, on est clair. Mais je vous dirais aussi, pour vis-à-vis de la borgnette, ça va être, comment vous dirais-je? Il y a quelque chose qui se passe où ça ne se passera plus, ça ne passera plus du tout. C'est-à-dire qu'ils seront attendus de partout. Là, ça se met en place. Hein. D'accord? Voilà. Alors, les pop-corns, d'accord? Une bonne bière pour ceux qui aiment. Une bonne coupe de champagne. Vous restez dans votre fauteuil, et surtout, vous en mêlez pas, les enfants. D'accord? À moins que vous soyez déjà dans la maillotche. Là, c'est un autre problème, hein, bien évidemment. Alors, pas de communication, pas de gestation, pourquoi? Oula, ça va mal pour la briquette aussi. Oh, ça a mal. pour la briquette. Elle est en train, patrimoine, association, excusez-moi. Hein. Ah ben il y a une rupture totale. Il y a une rupture totale, la briquette, elle essaye de se sortir de ce marasme dans lequel elle est, vous avez pu vous rendre compte, elle se déplace pas souvent, ou tout au moins elle se déplace, on les reçoit à peine. Là, je peux vous annoncer qu'ils ont dans l'envie, ils envisagent, elle va avoir des problèmes avec son patrimoine, elle, sérieusement, mais il y a une rupture. Mais la rupture, et là quand j'ai le 3 d'épée à l'envers, comme ça c'est une rupture, le 3 d'épée on le sait, mais là c'est une rupture magistrale, les amis, d'accord? C'est une rupture magistrale avec ce monde, vraiment ce monde-là et nous, d'accord? Là, la rupture est consommée de ces j'ai consommé, d'accord? Ils vont tenter d'envoyer les milli-pointeurs contre les franchouillards, parce que les franchouillards vont commencer à répondre à ces gens qui ne nous respectent plus. Et sur les plateaux, je vous ai annoncé, mais vous voyez bien, il y a beaucoup, on s'insulte copieusement sur les plateaux aujourd'hui. Je peux vous annoncer que ça va aller coton-coton. Alors, ici, qu'est-ce que... Oh là là, oh là là, oh là 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 là. C'est la fin des régions entre le bricaton. D'accord. Puis alors là, j'ai le 8 d'épée, puis le 9 d'épée, blocage derrière. Me dire que les régions n'en voudront plus de cette cohorte et se rendront compte de ce monde diabolique dans lequel on est rentré. Et même au niveau local, alors j'ai chez nous, hein, puisqu'on... déjà au niveau chez nous, au niveau de la région Rhône-Alpes, Auvergne, puisque c'est comme ça qu'on dit, on me dit clairement qu'il va y avoir un événement où c'est les présidents de région qui vont prendre l'action. Et puis ça sera, ils seront obligés. Ils seront obligés parce que là, ça va être du n'importe quoi au niveau du bricaton et de sa cohorte. Donc ils vont reprendre le dessus. Ça va chauffer, hein, ça va chauffer. Ben, ce qui s'est passé avec Thomas, mais d'autres, Lola, enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'autres encore, Enzo aussi, enfin, j'en oublie, hein, c'est sûr, mais là, je vais vous dire, les Français, là, ils partent, ça ne passe plus, ouais. Et Bricaton, il va avoir peur. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Les escrocs, hein, donc les lobes.bi, il y a colère, ben c'est il y a la colère contre ces lobes.bi. L'histoire du fils et compagnie, il y a tout qui sort. Alors, on vous en parle pas chez les franchouillards. Ça, on l'a très très bien comprise. Ils n'en parlent pas chez les franchouillards. Mais je peux vous dire que c'est pas bon pour vous, eux, parce qu'on va découvrir qu'effectivement, le produit qu'ils ont injecté a des connotations... mort, point, point, tel. D'accord? Voilà. Et là, c'est la fin d'un cycle pour eux. De toute façon, ils savent très bien que les gens ont très bien compris et qu'ils n'en veulent pas de leur cirque. Alors, tout ce qui est papillon, vous voyez ce que je veux dire pour les gosses aussi. Voilà. Réfléchissez à deux fois, je vous l'ai déjà dit. Dans une autre vidéo, oh là là, bon, ils auront beau faire au niveau de la place aux étoiles, bon, le pape, pas bon, hein, je vous l'ai dit, ça fait quelques temps que je vous dis, il y a beaucoup de noirceur autour de lui, ben écoutez, on s'en fout, franchement, je m'en fous de ce mec, quoi, et on va faire découvrir, comme la Cour des comptes, ou peut-être plus haut, à un autre niveau, vous allez découvrir, mais je crois qu'il y a, ben non, là, ça me dit clairement qu'il va y avoir des enquêtes journalistiques en cours, contre des magouilles énormes où ils nous ont volé notre argent, d'accord, l'argent des impôts, l'argent tout azimut des franchouillards, ils les ont piqués pour mettre dans leur caisse. Je vois, parce que là ça me donne le nom, Bruno qui n'est plus maire ou qui est maire, voyez lequel, avoir énormément de problèmes et ne pas pouvoir répondre à des questions avec des jolies camillas être mises en avant, voyez-vous. Il aura des problèmes pour répondre parce qu'il y a une énorme magouille qui va ressortir où on a été banané par ces gens, c'est du vol en bande organisée. Ben, vous aurez l'Éric notamment et toute la cohorte là-dedans. Oui, vous posez la question qui est ce bracelet, c'est Anne Cuellar qui me... Voyez-vous, je l'adore. Alors comme je suis en train de maigrir, la pauvre, il commence à machiner, je suis contente. Il commence à aller dans... Voilà, c'est du lapis lazuli, voilà. Mais depuis que je l'ai, génial, il y a plein de choses qui se passent de merveilleuses. Mais je vous en rendrai compte en temps et en heure. Donc ça, c'est nous, ennemis. D'accord. Bon. Alors, écoutez-moi bien de ce que je vais vous dire. on a un choix à faire. Nous avons un choix à faire hyper puissant, d'accord, je vous le dis quand même, qui nous concerne. Nous avons une prise de décision à prendre contre des gens qui sont infiltrés dans la justice. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? On a des décisions parce que nos ennemis sont là. D'accord? Voilà. Ils ont, je vous en ai beaucoup parlé avec le Yacine et tout ce qui s'ensuit, mais ils sont déjà infiltrés au niveau de la justice pour nous le mettre à mal. Ça veut dire que chaque fois que les franchouillards feront quelque chose, on se prendra plein pot, mais chaque fois que les ennemis feront des choses, d'accord, eux n'auront rien. Vous avez compris? Donc là, il faut, les amis, renverser la table. J'ai jamais été aussi claire, hein, je crois, voilà. Donc ici, au niveau, oui, des décisions, ben, toujours pareil que ce que je viens de vous dire. Il va falloir renverser la table, remettre de l'ordre. Il faudra remettre de l'ordre parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont au-dessus des lois. Les gens qui viennent, les touristes qui viennent de l'extérieur, je le rappelle, utilisent les woke qui n'ont plus de isme, d'accord? Ils les utilisent pour tout mettre à mal, d'accord? N'oubliez pas qu'on a une histoire, on a des racines, et il ne faut pas les oublier, elles sont ce qu'elles sont. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? L'inaction du qui? D'accord? Bon, là, il va y avoir des répercussions énormes. Bon, tout ce qu'ils vont parler par rapport à ces débats, ils vont le faire, ils vont faire la loi, puis il y a des choses qui vont être contournées. Voilà, vous parlez un langage, votre propre langage, il n'y a pas de souci, et automatiquement, ils vont être bernés. Ils sont pas très fut-fut, hein, ces gens, Thierry la Bretonne et l'Ursulette, ils sont pas très fut-fut, mais nous, on a une chance en France, c'est, et en Outre-mer aussi, hein, les amis, bien évidemment, on retrouve au Québec et compagnie. Donc on a la chance, c'est d'avoir un cerveau et de la matière grise. Donc on va en profiter. Donc quoi qu'ils fassent, les lobbies vont continuer de payer énormément, d'accord? Mais là, ça me dit qu'il y a un rassemblement des franchouillards, tout azimut, et puis ils n'auront même pas besoin de se donner le mot, ils n'auront même pas besoin de communication, ça va y aller à la maillotche. Donc moi, pour moi, oui, ça va être voté, 49.3 toujours, hein. Mais au-delà de ça, je vous dirais, ben laissons les faire, hein, d'accord? Parce que c'est la goutte d'eau, ça fait partie des gouttes d'eau qui vont faire déborder le vase, voyez-vous? Voilà, donc on reste positif, hein, on reste toujours pareil, et nous on se retrouve demain pour d'autres... Non, déjà ce soir, avec une vidéo justement pour évacuer tout ce qui est négatif au fond de vous, et après pour qu'on puisse rebondir, bon voilà. Donc, j'ai pas encore enregistré l'émission, mais dès que je l'aurai enregistré, je saurai comment ça va aboutir, ce que je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, ça sera sur Kriss Sinclair Show à 18 h. Je vous fais de gros bisous tendres. Bye bye!